Film, théâtre, opéra. Le théâtre ne m'a jamais paru suffire. Est-ce de la prétention de ma part? Il y avait plus que du théâtre au mur du Louvre quand j'étais petit, plus que du théâtre et de la peinture au mur de l'appartement de la rue de Seine. Il me limitait au cinéma quand je l'ai connu et pratiqué, pas même le jour où j'ai su que je savais le faire. Ma façon de faire du théâtre est nourrie de mes films, de tous les films, des livres que je lis, d'une subjectivité totale et arbitraire, des musiques que j'écoute parfois, qui sont celles que tout le monde écoute. Je ne suis jamais amenée à devoir choisir. Il y a des films à faire, à inventer, je les fais. Des opéras proposés par Boulez, par Unboy ou Salonen, et que je n'ai jamais eu le courage ni l'envie de les refuser, même si cela m'éloignait du théâtre un peu et du cinéma à coup sûr. Alors que tout me pousserait sans doute à me consacrer à une seule de ces choses. Mais pourquoi? Pour la faire plus à fond? Je n'ai jamais pu m'y résoudre, avide et curieux de toutes les occasions qui se présentent et des êtres que j'y rencontre. Choisir enfin le plaisir que cela a toujours été pour moi de m'éloigner du théâtre, le bonheur d'aller voir ailleurs et de retrouver l'air dont j'ai besoin pour respirer, comme si la vie soudain reprenait ses droits et s'infiltrait à nouveau dans mes veines, m'évitant la suffocation qui aurait été justement de ne faire que cela. Et tout le temps. Comment trouver des mots qu'on aurait utilisés avec personne d'autre dans des situations semblables? Un amour. Aucune situation n'est semblable, aucune sensation jamais d'avoir déjà vécu ce qu'on vit à chaque minute. Tout visage est nouveau, tout corps est émouvant comme au premier jour, y compris les corps que l'on connaît déjà depuis longtemps. Il dit, la personne aimée n'est pas là pour combler les manques ni régler les problèmes de l'autre. On ne sert pas à se faire du bien ni à se consoler, on est là comme cela advient, comme on en a envie. Il me dit cela ce soir, plusieurs soirs. Il n'est pas là pour combler le manque que j'ai de lui. Un dos à côté de moi, il ne dit jamais tu me manques parce que personne ne lui manque. Moi, tout me manque. Et j'en fais des récits.